sous les aigles de sang, par ses seuls attirants, dans les déroutes vaines, et par le ciel de juin, sous le soleil brûlant. De la société l'énergie industrielle, ancien combattant, laisse deux orphelins frappés.
4 ans, atteint sur la place de la Concorde une balle qui lui fit éclater le tibia. La mère Henri, 31 ans, officier mitrailleur de réserve, gérant d'un hôtel meublé appartenant à ses parents, ne faisant partie d'aucune association politique, tué d'une balle dans le dos sur la place de la Concorde. Le comte Jules, 35 ans, engagé dans la marine à 19 ans, embarqué sur les patrouilleurs de la division de la Loire, ouvrier à l'usine Renault, succomba le 12 février ayant reçu une balle dans le ventre. Marié et sans enfant, il était leader d'Action française et chef d'équipe des Talons du Roi. Yévin Charles, cuisinier, 34 ans, blessé le 6 février 34, d'une balle à la colonne vertébrale, mort le 6 décembre 1935, après 21 mois d'atroces souffrances, laissant une femme sans ressources. Méziane Dali, 28 ans, musulman, membre de la Solidarité française, manœuvre au chômage écrasé par un camion de la police lancé à toute allure, puis achevé à coups de pied et de matraque. Maupin Jean, 24 ans, atteint à la colonne vertébrale. Munier Albert, 27 ans, comptable, depuis quelques mois sans travail, tué d'une balle de revolver dans la tête, rue Boissy d'Anglas. Il était marié et père d'un bébé de 18 mois. Peuziat René Alain, 29 ans, frère du champion cycliste, n'appartenant à aucune association politique. Rossignol Raymond, 37 ans, industriel, ancien combattant, membre des Jeunesses Patriotes, officier de réserve de cavalerie, marié, père d'un enfant de 12 ans, tué d'une balle de revolver en pleine tête devant le pont de la Concorde. Roubaudy Georges, 36 ans, industriel, directeur d'une grande maison d'importation et d'exportation de soieries occupant 200 ouvriers, anciens combattants. Sougari Alfred, 30 ans, dessinateur, membre de l'association des décorés de la Légion d'honneur au péril de leur vie, fut tué à coups de matraque et relevé la colonne vertébrale complètement disloquée. Vory Henry, 39 ans, ancien combattant.